Good morgen, allez, Idan, les sujets aujourd'hui, le Nishmat Esther, Bat Miriam Yaakov, Ben Levana, Yosef Akab, et Robert Baruch, Ben Jemil Tarab, ainsi que les Refouat, les Israël Shimon Ben Chaya Esther, Ramjad Ben Ahmed Rosalina, Ben Yamin, notre Bébé, votre cher Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider nos prochaines études de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Serhat Eruvin, Perekret, Mishnah Zain, Amatamaim, Shei Overet, Bechatser, En Memalin Hemena, Bechabat, Ela Imken, Asula Mechitza Gvoa, Asarat Fachim, Baknissa ou Bayetzia. Rabbi Yehuda Omer, Kotel Shal Gaba, Tidon Mishum Mechitza. Amar Rabbi Yehuda, Maase Beama Shal Avel, Shayou Memalin Memena, Alpiz Kenim Beshabbat. Amroulo, Mepene, Shalwa Yaba Kashiur. Dans la mission précédente, on a parlé du puits qui a été entre deux domaines. Et à présent, on va parler d'une rivière, un petit ruisseau qui passe dans un. Dans une cour, est-ce qu'on a le droit de prendre son eau, de quelle manière, et les données, les paramètres vont être assez similaires en fait. Il y aura de nouveau une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, un peu comme celle de la Mishnah précédente, on rappellera à chacun au fur et à mesure. Amat Amaim, Shei Overet Bechatzer, on parle maintenant qu'il y a une Amat Amaim. Amat Amaim, c'est un ruisseau, d'accord? Ama, ça s'appelle une Ama, hein, parce que ça faisait en général une longueur de une Ama sur une Ama. Là, concrètement, on va découvrir que c'était beaucoup plus grand qu'une Ama sur une Ama, comme ce qu'on va voir. Mais c'est à cause de ça. Ils irriguaient les champs en leur creusant, en fait, en leur faisant comme ça des. Je sais pas comment c'est en français, des. Ils faisaient. D'accord? On s'est compris. Et voilà, quoi, ils utilisaient ça pour arroser les champs. Du coup, ça s'appelle une Ama, donc tout petit ruisseau, il s'appelait aussi une Ama. Amat Amaim Shei Overet Bechatzer, donc un petit ruisseau qui passe dans une cour. En Memalin Emen Beshabbat. On n'aura pas le droit de remplir de ce ruisseau pendant Shabbat. Si on veut boire, on n'aura pas le droit de partir prendre de l'eau de là-bas. Ela Imken Asula Mechitza Gvoha Asarat Fachim Baknissa ou Bayetzia. Sauf si on lui a fait une barrière haute de 10 tefar à l'entrée et à la sortie. Soit le ruisseau il arrive de là, il ressort par là-bas, à l'entrée et à la sortie, je vais faire une barrière de 10 tefar. De quelle manière? Alors là, c'est plus précisé dans le Mishnah, mais ça se rapporte, ça ressemble encore à la barrière, la mechitza qu'on fait dans le bord qui appartenait aux deux voisins. On avait appris, pour rappel, on avait appris qu'il y avait, lorsqu'on a un bord entre deux voisins, même si on a une mechitza tout au long, il faut que dans le bord lui-même, dans le puits, qu'on sépare le puits. D'accord? Pour le séparer, on avait pris plusieurs solutions. On avait évoqué, soit tu construis un mur au-dessus, soit un mur à partir du bas. Mais quoi qu'il arrive, un mur qui doit toucher à l'eau, au moins entrer dans l'espace du puits, même s'il ne rentre pas concrètement dans l'eau. C'est les différents paramètres qu'on avait évoqués dans la mission précédente. Et il y avait entre parenthèses, plus qu'entre parenthèses même, il y avait là-bas Rabbi Yehuda qui nous disait, non, c'est pas la peine du tout que le... de faire que ta barrière, que ta mechitza entre dans l'espace du puits, même si elle passe au-dessus, ça marche, et on va voir exactement la même marloquette ici. Pour le moment, selon Tanakama, donc, il faut que tu fasses nécessairement, tu mettes une barrière à l'entrée du ruisseau, et une barrière à la sortie du ruisseau, qui sont entièrement fermées. Le principe, il est simple, juste, le ruisseau lui-même, il vient de l'extérieur. À l'extérieur, c'est carmélite. C'est pas du Rishut HaRabim. C'est pas non plus rejeté à Hérit, c'est un domaine intermédiaire carmélite. Comme ça, on avait déjà appris dans Shabbat essentiellement, Arba Rechuyot de Shabbat. Alors, ça se passe comme ça. Tant que le ruisseau il est directement rattaché à sa source, au reste du coup de son cours d'eau, eh bien, il a le même statut. Donc, du coup, il est carmélite. Il faut nécessairement le casser à l'entrée et à la sortie. Si tu lui mets un mur à l'entrée et pas à la sortie, ou pas à l'entrée, alors de nouveau, il va être rattaché de l'autre côté avec tout le reste du ruisseau qui est à l'extérieur, et donc il va reprendre le statut du carmélite, jusqu'à ce que tu vas bien le séparer des deux côtés. Avec, donc, comme on a dit, un mur qui entre au moins un petit peu dans l'espace. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, « Kotel she'al gabat don mishum mechitza. » C'est pas la peine d'en faire autant, selon Rabbi Yehuda. Le mur qui est au-dessus de lui, même, imagine, donc il est en profondeur, il est creusé, tu as fait passer un mur, tu as pris une planche de bois d'un côté à l'autre, d'une rive à l'autre, si on peut parler de rive dans un petit ruisseau, d'un côté à l'autre, ça y est, ça suffit, ça sépare en deux, c'est considéré comme un mur au-dessus, et donc le mur, on dit good achit, le mur descend. Good achit, ça en va bien, c'est le mur descend. On fait descendre le mur,
C'est des règles comme Goudasik et Goudarik. On fait monter des murs, on fait descendre des murs. Comme un petit peu dans Soukha, on retrouve les mêmes principes. Où c'est pas la peine de faire un mur qui va jusqu'en haut, parce qu'on va dire Goudasik. Le mur, il monte. Dès que tu as fait 10 tefar, ça monte. Même principe là, selon dans l'eau, alors tu mets un mur de 10 tefar au-dessus, et puis ça descend en bas. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui nous l'a dit. Et sur ça, Rabbi Yehuda vient justifier son propos en disant « Rabbi Yehuda, ma'ase be'amashel Avel. » Il y avait d'ailleurs l'histoire avec le petit ruisseau dans la ville de Avel, une ville qui s'appelait comme ça, chez Ayou, le deuil. C'est un nom, je crois qu'il y a en 95 en France, il y a une ville comme ça, ça m'avait choqué. Deuil les bains, ou non, je ne sais plus trop quoi. Deuil la barre. Voilà, Avel, c'est la même chose. Une ville aussi qui s'appelait Deuil. Ma'ase be'amashel Avel, donc il y avait un, avec le petit ruisseau de Avel, Shayou Memal'in Mimena Beshabbat. Là-bas, il y avait un ruisseau qui rentrait dans la cour, et l'usage, il était de puiser de l'eau de ce ruisseau, de prendre de l'eau. Alpiz Kenim Beshabbat, et ça, ils agissaient à l'époque selon les Kenim, les sages d'Israël, leur avaient posé la question, ils ont dit oui, vous pouvez remplir sans problème. Donc tu vois que ça suffit, et là-bas, moi je connais bien l'histoire. Là-bas, il y avait un mur qui passait au-dessus, un mur qui passait au-dessus de l'autre côté, à l'entrée, à la sortie, et le mur ne pénétrait pas dans l'espace du ruisseau lui-même. Donc tu vois que ça marche de mettre juste un mur. Amrolo, ils l'ont rétorqué, Ramim, non, Tiaval prit la scène. C'est vrai qu'il y avait un mur au-dessus qui ne rentrait pas, mais quoi? Mais péné chez l'Oyaba Kachiour, parce qu'il n'y avait pas dans le ruisseau la quantité, la taille requise pour interdire. Soit le ruisseau qui est interdit lorsqu'il entre et qu'il ressort, on ne parle pas que c'est un petit cours d'eau minus. On parle qu'il y a un cours d'eau qui a une largeur de... Le même principe que l'enchute du Shabbat. Une largeur de 4 tefar au minimum avec une hauteur de 10 tefar. Ce qui définit en général le Rishut Hayachid. Alors là, pour le ruisseau, ça prendra un statut de Rishut Carmélite, de Carmélite. D'accord? Mais si toutefois... il n'avait pas une hauteur de 10 tefar, ou bien il n'avait pas une largeur de 4 tefar, donc l'équivalent, vous multipliez par 10 plus ou moins, grosso modo, ça fait 1 mètre sur 40 cm, s'il n'a même pas cette largeur, alors il a aucun statut de carmélite, et de toute façon c'est permis, et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire, dans le ruisseau de la ville de Havel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov Salam.